Yo, c'est Sarx. Et comme d'habitude, eh bien, on va faire de l'évolution céleste, voilà. Mais avant de passer sur les boosters, je tenais à vous remercier parce que, eh bien, on a enfin atteint les 200 abonnés. Donc, je voulais vraiment vous remercier de, bah, encore une fois, de m'avoir suivi et soutenu parce que, bah, ça fait du bien de se dire que, eh ben, on fait pas ça pour rien quand même. Voilà. De se dire que ces vidéos sont vues et aimées, vraiment, ça fait du bien et merci, merci. Et je voulais vous remercier convenablement, hein, voilà, avec un petit concours, voilà, donc je sais pas si c'est déjà fait ou si ça va arriver, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant par Instagram. Et sur ce, eh bien, on peut enfin passer sur les boosters. Et nous revoilà sur les fameux boosters, voilà, hein. Donc du coup, comme d'habitude, on enlève le petit post-it, voilà, qu'on va mettre ici. Et on va commencer par un petit Nymphali, voilà. Donc je remets encore une fois les boosters là. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on a besoin forcément? Bon, je vais le dire quand même, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas rabâché, mais on aimerait quand même une sacrée alternate de Duralugon V. Elle est magnifique celle-là. Elle est vraiment extrêmement magnifique. Vraiment, ça serait le rêve de pouvoir la choper. Mais bon, pour l'instant, on a eu quand même pas mal de chance sur les ouvertures. Donc, bon, est-ce que ça va continuer? C'est ça la question, toujours la même. Elle est toujours là, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on va continuer à avoir de la chance? Ça, j'en suis pas si sûr. On garde espoir, hein, comme d'hab. Hein, mais là, on a quand même sorti deux belles choses. Donc, est-ce qu'il reste quelque chose? Ça, oula, c'est une bonne question. Bon, badge, feuille, neige, et j'ai vu quelque chose d'intéressant. Hippodocus qu'on n'avait pas, voilà, hein. Petit Hippodocus, guerrier, aigle, cra, abicoque, furet, gland, un nodulite de comia, un culbute, ok. Et un granivole, et on aura en reverse un petit Paracool. Voilà, il est vraiment extrêmement bah, cool. Voilà, hein, comme je le dis, il est cool. Là, en plus, il est genre avec sur la petite montagne, c'est vraiment très très rigolo. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Oh! Oh! Ah ben, on commence bien cette foulard Pokémon. S'il vous plaît, en plus j'en ai parlé. Allez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Allez, allez. J'ai un Duralugon. Ah, oh, ça sera pas Duralugon. C'est tellement dommage. Bon, allez, qu'est-ce que ça va être? Tout, 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 tout. Ouh! Et ben voilà. On a encore, elle est encore très très mal cadrée, mais voilà, hein, ça fait plaisir. La petite full art de Loup-Garrock. Alors bon, forcément, j'avais mis les sleeves, mais je les avais pas mis disponibles, voilà, pour mes mains. Donc là, voilà, la petite full art de Loup-Garrock, voilà, ça fait du bien, c'est ce qu'on veut. Mais on aurait voulu du Duralugon V, hein, voilà, je fais ma mauvaise langue, hein. Mais bon, c'est une full art, on prend. Mais est-ce qu'on va avoir une alternative? Ça, c'est une question. Ça, c'est ce qu'on voudrait avoir, ça, une alternative. Et du coup, eh bien, on va passer sur un petit Noctali pour le savoir. Bon, alors, petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Ah, bon. Allez, il faut quand même rester positif. De toute façon, il faudra que je l'aie, hein, pour compléter le Master 7. Mais de l'avoir là, ça ferait quand même plaisir. Moi, je veux pas des Rayquaza ou quoi. Moi, je veux Duralugon. Voilà. Duralugon. Allez, jouer attrapeur, Roy, Seracro, le Barrepot, Hippopotas, Pont, Chiot, Goupilou, Grelasson. On a un petit Floravol qu'on n'avait pas en reverse. Voilà, ça fait du bien, ça. Parce que bon, les doubles en reverse, voilà, hein, comme j'ai dit, il y a 132 reverse à avoir. Bon, voilà, hein. Et du coup, est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière? Non. Est-ce qu'on va avoir? Non. Ouh, Froussardine! Et ben voilà, Froussardine, c'était une carte rare qu'on n'avait pas. Voilà! Classe! Allez, allez, on enchaîne là parce que j'ai envie d'avoir des hits là. Là, j'ai soif de hits. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, là, le loup-garou qui m'a chauffé. Loup-garou qui m'a chauffé. Alors,
Je veux du 8. Alors, Lanturne, Masque Spirituel, Chaz, Pikachu, Grenipio, Ponchio, Zarabi et Lionceau. Et ça sera un badge élémentaire, voilà. En reverse, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, oh là là, non. Oh, Froussardine qu'on vient d'avoir juste avant. C'est tellement dommage, tellement. Bon, allez, je sais pas quoi dire. Là, vraiment, je suis un petit peu déçu. Autant que ça soit une rare simple, autant que ça soit une rare simple qu'on n'est pas. Là, là, Froussardine, on vient de l'avoir. Alors bon, je le sens mal quand même. Hein, voilà. Rhino, Love, Gant, Excavateur, Montagne Orageuse, Passe, Rouge, Loup, Pioclo, Robule, Solo, Chi, Teddy, Urza. Et on a un Sharpedo. Bah voilà, par exemple, je suis pas sûr qu'on ait Sharpedo. On l'a pas, je crois, en normal. Donc voilà, ça aurait été plutôt Sharpedo que j'aurais aimé à la place d'un deuxième Froussardine. Et du coup, est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière? Ou c'est blanc? Et ça sera un Kelurior que je ne sais pas si on l'a. On arrive à la moitié de cet opening et je tiens quand même à, eh bien, vous rappeler que vous pouvez toujours mettre un petit like, voilà, pour soutenir la chaîne vraiment et me donner de la force, ça fait vraiment plaisir, vraiment merci. Et eh bien, si vous venez de découvrir la chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner, voilà, pour louper aucune vidéo de ce Master Set. Donc on est un petit peu à la moitié et eh bien on aura eu une foulard pour l'instant. Bon, et c'est vrai que je suis en train de penser, on n'a eu aucune V pour le moment. J'ai eu un Suicune donc lors du live de Card Hunter, mais c'est tout. Je n'ai pas d'autres V, j'ai plus de V max que de V. C'est un sacré deal quand même, ça. Bon, allez, Montagne Orageuse, Course, Béca, Glaçon, Zoru, Tanta, Cool, Gré. J'allais dire Grenipio, mais c'est Granivol, pardon. Soloshi, Watuwat, un petit Temolga en reverse. Et... oh, attention. Et... petite Entei, là, ça serait bien. Oui, Entei, voilà. Donc ça, bon, il est extrêmement mal centré, mais au moins, c'est une holo et on l'avait pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Ça serait bien, allez, au moins une petite V, là. Ah, ça serait bien, parce que... là, ouais, j'ai envie d'avoir des ultras. Là, là, je, comme j'ai dit, j'ai soif d'ultra. J'en peux plus, Bagaïd. On a eu d'ailleurs une carte dresseur qu'on n'avait pas avant, là. Ursa, Ring, Psycho, Quack, Fus, Réglon, Soporifique, Fla, Bébé, Nodulite, et un Psycho, Quack, Reverse qu'on avait déjà, voilà, hein, 132 Reverse, mais quand même des doubles, ça c'est génial, hein. Et est-ce qu'on va voir, voilà, bah, tant qu'à faire, je suis sûr que ça va être Zoroark. Non, Roublenard. Bon, un peu dommage quand même, hein, tout ça. Allez, 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 allez. Donc, avant-dernier booster, voilà. Bon, ça devient critique. On a eu une full art, c'est bien, mais plus, c'est quand même mieux, hein, voilà. Plus, c'est quand même mieux. C'est pas mal, elle est pas mal celle-là. Allez! Copieuse, un petit Diamat, un Floravol, un Evoli, un Bombidou, un Tanion, le petit Nénupio, Ténéfix, et on aura Culbutoke en reverse. Voilà, donc ça, je pense pas qu'on ne l'avait. Je pense pas qu'on l'avait, oui, je pense pas qu'on l'avait. Et... oh non, même pas un petit... oh, deuxième Kelurior, double Froussardine. Oh, ça fait mal. Et donc, nous voilà sur le dernier booster, The Last Booster. Et bah, c'était... bon, on a quand même une full art, hein, voilà, je le redis, mais on a quand même une full art, c'est pas trop mal en soi, hein. Mais plus, ça aurait été mieux. Bagaïd, Ursa, Ring, Caverne de Cristal, un Furéglon, Nénupio, Emolga, Chauve-Sourire, Tournicoton. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment triste quand même. Là, Tainion en reverse qu'on avait déjà, voilà. C'est dur, c'est dur, c'est très très dur, c'était très très dur, et ça va continuer d'être dur, et ça terminera sur quelque chose de dur. Voilà, on aura un Fragile Eddy. Oh, c'est vraiment triste, c'est tellement triste. Bon, résultat des courses, eh bien
On a eu quelques trucs à mettre dans la collection et eh bien on va voir ça tout de suite. Et nous revoilà sur la collection. Bon, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Eh bien pas grand chose. Voilà, hein, pour pas le cacher, on n'a pas eu grand chose. Quelques cartes pour fournir un peu plus le Master Set, mais bah. C'était mince. C'était mince comparé à la semaine dernière, qui était vraiment beaucoup plus fournie, clairement. Mais bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Il faut se réserver quand même pour bah, quelques épisodes où il n'y aura pas forcément des choses intéressantes, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Hein, voilà, il faut l'admettre. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu ? Bah là vous me voyez continuer à tourner les pages, hein, c'est parce qu'on n'a pas eu grand chose, hein, voilà. Hein. Du coup, ce qu'on a eu, on a eu la seule et unique carte si le focus se fait, voilà. Ce n'est autre que le Loup-Garrock. Voilà, donc eh ben, elle est quand même vraiment stylée. C'est vrai que je l'ai pas remarqué comme ça, mais elle est quand même assez stylée, faudra le dire, assez stylée, voilà. Donc on peut au moins se consoler là-dessus en se disant qu'elle est quand même plutôt pas mal. Et voilà, donc là c'était la seule carte qu'on a eue. Du coup, bah on va direct passer à l'outro. Voilà, hein, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on termine cet épisode de Master Set Quest qui est, eh bien, le dira-t-on, est assez pauvre, voilà. Hein. On a mis vraiment quelques cartes, mais bon. C'était pas le meilleur des épisodes, hein, clairement, mais bon voilà, on peut souhaiter que d'avoir plus de chance dans les prochains. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine, tirez de bonnes cartes, tchuss.